C'est Otaku Manga et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un manga qui s'appelle Kingdom. Donc c'est un seinen et c'était parti par Yuko Osada et qui a aussi fait Endeavor en 8 tomes. Voilà. Désolé si vous voyez pas trop, mais vous voyez bien, je pense. Donc voilà. Sans trop vous spoiler, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc Kenjiro Yaoi est la terreur de son lycée, il s'exprime que avec ses poings, et son ami d'enfance est la douceur incarnée. Et avant d'avoir ses 18 ans, elle se fait agresser au retour de son lycée, et Kenjiro Yaoi, il veut lui faire retrouver le sourire, parce qu'il croit que c'est à cause de lui, parce qu'il n'est pas, il a, pardon, il n'a pas été là pour la défendre. Donc voilà. Et après, il va faire plein de choses pour la faire rire. Et après, je vais pas tout vous raconter. Donc, je voudrais vous remercier à tout le monde, à tous qui regardent ma vidéo. Merci beaucoup. Et aussi, je voulais vous présenter une figurine que j'ai achetée récemment. Et hier même. Et c'est Yasop dans One Piece que je trouve vraiment classe. C'est, comme on voit là, il y a l'écriture japonaise et il y a écrit Dead or Alive. Voilà, je l'ai acheté à 25 euros au lieu de 50. C'était une offre quand même. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à lâcher un commentaire, ça me ferait plaisir. Des critiques, peu importe. Je vous suivrai vos conseils. Merci beaucoup. Et je vous le conseille fortement. Il est noté 18 sur 20 par New Manga. C'est un excellent manga. Je vous le recommande fortement. Il fait rire. Et il est triste. Bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo.